Nous sommes à égalité. Je ne leur déplais pas non plus. Te voilà. Me voilà. Je croyais qu'on ne t'en trouverait pas. Je ne me suis pas caché. Nous avons un compte à régler. Je peux payer. Il ne s'agit pas d'argent, tu le sais. Ah bon? Tu as déshonoré notre sœur Sabine. Tu vas venir avec nous et l'épouser sur le champ. De grande force! Sabine! Ah oui, Sabine! À propos, comment va-t-elle, cette chère enfant? Comme une âme en peine. Elle pleure des larmes de feu. Elle se laisse mourir de faim. Tout ça à cause de toi! Coquin! Scélérat! Schnappon! Pour rien! Cousin! Séducteur! Oh, oh! Coquin, scélérat, tout ce que vous voulez, d'accord, mais pas séducteur! C'est une petite boue de femme, mais une volonté, une suite dans les idées, une vigueur dans l'attaque. Oh! Alors ma vertu, elle a succombé. Et aujourd'hui, on vient me demander dans les comptes. C'est simple. Tu l'as déshonorée, tu l'épouseras. C'est simple. Elle m'a déshonorée, je ne l'épouserai pas. Tu l'épouseras, même si on doit te traîner jusqu'à l'église. Si j'avais dû épouser toutes les donzelles qui ont attenté à mon vertu, je serais plus marié que le roi Salomon, qui a eu 1000 femmes. Ses pièces, ramasse-les tous! Ramasse cet or gagné à la sueur de mon front. Oh, merci, merci, messieurs Douglas, merci! Génon Douglas! Du clan Douglas! Aventurier de mon métier! Thibault, chevalier. Chevalier sans terre et sans avoir. Thibault, on dit que tu es un grand tailleur d'épée, pourfendeur pour la veuve et l'orphelin. Tu l'as pourtant parlé d'un simple d'esprit. Très flatté, merci. C'est moi qui dois te dire merci. Je n'aime pas beaucoup dire merci, mais il se trouve que tu m'as sauvé la vie. Te voilà réduit au sort de la veuve et de l'orphelin. Il faut
Faut te résigner, Douglas. Ma vie, à moi, en vaut-elle la peine? Je souhaite pouvoir te payer un jour mon dette. Je prie le dieu des aventuriers, le hasard. Mais j'ai affaire. Il faut que je poursuive mon route. Oh, avec ce monnaie, occupe-toi un peu de ces taureaux. Il faut encore qu'ils trouvent une mari pour leur Sabine de Serre. D'oiseau. Qui? Cet homme en jupon, ce Dégoulas. Douglas. Oui, je l'aime bien. Moi aussi. T'as vu comme il se bat bien? Comme un lion. Et comment il joue au dé? Comme un dieu. Tu en sais quelque chose? Oui, mais la partie a été interrompue juste au moment où la chance tournait. Tu as vu mon coup de pied? Excellent. Le coup de pied, tu sais. Je dis bien, le coup de pied bien exécuté. C'est un acte de précision de grande beauté. Il y a plusieurs endroits pour l'appliquer avec efficacité, mais le plus usité, c'est le derrière. Je pensais par là. Le hasard, les jeux de hasard, les rencontres de hasard. Je suis Douglas, du clan Douglas, aventurier de mon métier. Et tu es le premier chevalier à qui je dois payer une dette. Nous ne sommes pas quittes. Et pour être quitte avec moi, tu m'as suivi? Oh, j'ai passé par le même chemin. Toi, en tout cas, quand t'as une dette à payer à quelqu'un, t'es pas pris au dépourvu, t'as le choix des armes. Je suis Douglas, amateur d'armes, de femmes et de chevaux. De chevaux? De chevaux. Ah, si je comprends bien, nous allons dans la même direction. Cela se pourrait. La grande course de Tripoli. La course annuelle de Tripoli. Et je compte bien gagner le premier prix. Les talons. Ah, comme c'est curieux. Moi aussi, je compte gagner. Ah, le grand coquin.
cheval me plaît. Bon sang que cette cheval me plaît. Je te comprends. Je le veux. Bon sang, je ne peux pas m'empêcher de le vouloir. Il est à moi, je l'ai gagné. Oui, tu l'as gagné. Jouons-le au dé, veux-tu? Mais tu as déjà une cheval, qu'est-ce que tu veux faire d'une autre? Je l'ai gagné, je le garde. Ah, quelle mentalité! Chut, ce n'est rien. Un tatamarre du tonnerre de Dieu, c'est rien. Ce n'est rien, je te dis. Douglas est en train de voler les talons. Et c'est tout l'effet que ça te fait. Reste tranquille. Nous n'avons pas fini de rire, Blanchot. Je ne me suis pas fait trop de mal. Ami, je prends sept cheval. Il me plaît trop, je n'en puis mais excuser Douglas l'Écossais. Ce tenez brigand, schnappant, rouquin, bandit en jupon. Il tente de nous ridiculiser. Et alors, en route. Du mal avec ce satané bougre de truand d'Écossais du diable. Je le sens, mon ancienne blessure. Et toi, tu n'as rien trouvé de mieux que de lui sauver la vie. Ah, tu en aurais fait tout autant, Blanchot. Oui, mais il nous a volé le cheval. Regarde. C'est bien Douglas. Que veux-tu que je te dise? Il me plaît, cet Écossais. Et pourquoi nous montre-t-il le chemin de sa fuite? Eh bien, pour s'amuser, parbleu. Et alors, qu'allons-nous faire? Nous amuser, Blanchot. Nous amuser! Allez! C'est bien vous, l'homme en blanc, qui est accompagné d'une espèce de bougre d'un âge incertain au nez rouge. Oui, c'est bien moi. Un homme est allé par là. Il vous a laissé un message. Le bougre à l'âge incertain au nez rouge, je vais lui montrer, moi, ce dégoulasse. Quel est ce message? Il est allé par là. Oui, mais quel est le message? Je suis allé par là. Thibault, tu me donnes le tournis. Allez, allez, sacrebleu! Dis-moi, petite, tu n'aurais pas vu un homme en jupe sur un étalon? Non. Il est allé par là? Yes, sir. Par là? Yes, sir. Par là, ce serait pas un piège cette fois-ci? Je ne crois pas. Je le connais, bagarreur, séducteur, voleur. Pourquoi pas menteur? Pourquoi pas? Mais je lui fais confiance. Sophia de mon pays, avec ta colline de mon patrie. Oh là là, oh là là, je vous reverrai une jour. Là là, là là, là là, fille.
Thibault. Thibault, tu me le paieras, Thibault. Allez, allez, attends. Il m'a pris mon étalon. Allez, allez, en avant, plus vite, Charogne. Allez, allez, Charogne, plus vite. Allez, à nous deux, Thibault, en avant. Killed. Sacrilege! Allez, Charogne, allez, allez! Je ne comprends pas. Ce Douglas nous fait faire tout un périple, avec un tas d'indications erronées, et tout ça pour prendre un bain. Il avait envie de se baigner. Et toi, tu lui signales l'itinéraire exact pour l'amener ici. Je voulais le revoir. Tu joues au dé maintenant? Ah ben, c'est du propre. Regarde et admire. Double 6. Mais ce sont des dés pipés. T'en as sûrement d'autres sur toi. Bien sûr, mais pas comme cela. Voilà. On ne fait pas cela à un gentilhomme, même écossais. Surtout écossais. Nous n'avions pas le choix des moyens. Je ne sais pas ce qui me retient de vous casser la tête. Tu veux ton kilt, peut-être. Je te donne une chance. Oh, et alors tu décides aussi. Jouons-le si tu veux. Au dé? Au dé, oui. Et le cheval aussi? Le cheval aussi. Vous trouverez deux dés dans le poche de mon kilt. Vous n'êtes pas des chrétiens, des détrousseurs, des moins que rien. Les dés sont truqués. On aura tout vu, tout entendu. Arrêtez! Battez-vous d'accord, mais sans épée. Vous n'allez pas vous entretuer pour un cheval. Jamais! Douglas ne renonce jamais! Bon.
gagné. Non. Alors, tu renonces? Non. Oh. Adieu, ma belle. Et soigne bien mon cheval, hein? Enfin, tu as renoncé. Renoncé? Tu ne connais pas les Écossais. À l'année prochaine, à Tripoli. À l'année prochaine, Douglas. Et que le meilleur gagne. Tout de même, il y avait bien longtemps que je ne m'étais pas amusé comme ça. Tu as bien dû me casser deux ou trois côtes. Mais qu'est-ce que tu racontes entre amis, hein? Surtout quand on y gagne un aussi beau cheval. Eh oui, il est à toi. À moi? À toi. Oh. Oh. Douglas! Fils de la chance et du hasard, homme libre! Vous dites bonne route! Elle vous dit merci! Et à l'année prochaine à Tripoli! Hey! Bon, à l'année prochaine! Hey! Eh oui.